Bon voilà, hop, vous m'avez vu fixer du coup les baguettes pour faire le profilé, c'est pas mal du tout. Je me suis planté dans une découpe, du coup j'ai pas assez pour finir, enfin je rachète une baguette. Mais voilà, c'est bien propre, ça va bien tenir les angles, là, là. Ça va éviter que quand on pose le pied sur les arêtes, ça s'abîme. Elle est mise au point. Et ici, je suis en train de fabriquer une petite platine. Que je vais peindre en noir et intégrer ici. Ce qui va être en fait, je vais percer des trous oblongs pour mettre en fait pince, ciseaux, etc. Que ce soit tenu à l'intérieur. Voilà, je vais faire trois trous, je pense. Tac, tac, tac. Comme ça, on pourra mettre voilà, mettre les pinces et ça restera toujours accessible. Et ce sera propre, ce sera intégré. Je vais le peindre en noir. Voilà, j'ai fait en sorte que ça suive un peu la courbe. Tac, avec des angles un petit peu arrondis pour faire la jonction harmonieuse entre la partie bien droite ici, des lignes de la console. Ça va être pas mal, j'ai un peu adouci du coup les angles. Donc c'est parti, je vais percer les trous sur cette platine. Ensuite on va la poncer pour que la peinture accroche et on va la peindre en noir pour que ça s'intègre bien. Allez, c'est parti. De l'Eva, c'est déjà prédécoupé. Ce sera une réglette et ça je vais l'intégrer là à l'intérieur de l'Eva. Du coup c'est parti, je vais prendre mes repères, découper, coller et après on fera une petite bande noire là pour faire une jonction propre. Allez, c'est parti. Ça accroche ça.
Allez, je vais installer du coup les sièges sur la sur le renfoncement. Mais le souci, c'est que les vis de 1 sont pas assez longues et de 2, c'est des pas à la con. C'est pas des pas en M. Du coup, c'est galère de trouver des vis. Du coup, je vais pas les remplacer. J'ai trouvé une autre solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une platine, vu qu'elles sont pas assez longues, mais elles sont assez longues vraiment pour être fixées sur un support classique de 3 mm. Du coup, je vais prendre une platine en alu. Je vais la percer avec les emplacements pour les trous, l'aligner, et en fait cette platine, je vais venir la fixer directement sur mon coffre, et ça me permettra par dessous de venir visser avec les vis d'origine. Du coup, c'est parti pour cette étape. On va faire un petit gabarit pour le perçage, percer dans ce diamètre là, et dans le bois en dessous on fera des diamètres plus gros pour que la tête de vis puisse passer. Allez, c'est parti.